Overpass a déjà eu son lot de mises à jour et de correctifs sur CS2. On commence avec la longue, où la poubelle qui permettait de se booster plus facilement a été retirée, mais le boost depuis le banc reste toujours possible. Dans le connecteur, deux choses sont à noter. Le petit saut blanc qui était sous le baril a disparu, et il est désormais possible de se boost sur les tuyaux. Soit à l'aide d'un ami dévoué, soit tout seul, et pour des raisons techniques, ici la démonstration est réalisée par Robs. Le boost sur les étagères est également accessible, que ce soit seul ou accompagné. C'est donc pour ces deux boosts un correctif qui rétablit ce qui était déjà possible sur CSGO. Enfin, concernant le monster, il n'est plus du tout possible de monter sur les parties bétonnées, on y glisse sans jamais pouvoir se stabiliser. Il en est d'ailleurs de même pour les grilles, et c'est donc plusieurs poses fortes qui disparaissent définitivement. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'expérimente sur CS2.